Salut à tous. Bah comme vous pouvez le voir, ce week-end, je suis pas seul. Je suis accompagné de mon pote Yann. Et ce week-end, je fais connaissance avec Eve. On fait connaissance. Ouais. Et on va en profiter pour faire une petite balade dans le parc de Chartreuse. C'est chez moi. C'est chez vous. Et puis c'est un peu chez vous aussi du coup. Au moins pour toute la durée de cette vidéo. Donc on espère que vous passerez un bon moment à nos côtés. Et on se retrouve un petit peu plus loin. Salut. The west coast in the morning to find a place where no one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might never make it out alive. Plans are changing, rearranging all the time. Bon, on fait une petite pause à l'abri sous un sapin. Pas trop mouillé? Ça va. Tout baigne. Let's break free. We could fall asleep where the land and ocean meet. Wake up to... Encore et toujours sous la pluie, on continue d'avancer. Là, on entame la grande pente qui se trouve juste au nord des monts Fromage. On va arriver bientôt à l'oratoire d'Orgeval qui se trouve sur la route pour accéder au Charmançon. On va casser la croûte ici, après quoi on reprendra la marche pour trouver le lieu du bivouac. Ça y est, on vient d'arriver sur le spot du bivouac. Je viens souvent dormir ici, en solo, entre potes, l'été, l'hiver. Alors vous voyez un feu, un foyer de feu, c'est pas nous et on va pas s'en servir. Parce que quand je viens dans le parc de Chartreuse, je fais pas de feu, de bois. Parce qu'on est ici dans le parc régional naturel de Chartreuse. Le parc naturel régional, pardon, de Chartreuse. Donc on fait pas ce qu'on veut dans un parc, il y a un règlement. Bien, ça y est, on est installé, enfin. Et puis là derrière, j'ai mis un deuxième tarp pour créer une zone de vie où on va pouvoir cuisiner un petit peu nos repas et puis faire bouillir de l'eau, par exemple. Pour ce soir, c'est là qu'on va se quitter. De toute façon, il fait trop nuit pour filmer quoi que ce soit. Nous, on va aller cuisiner le repas pour ce soir et puis se coucher pour profiter d'une nuit reposante. Nous, on se retrouve demain matin. Salut. Déj terminé, on va maintenant ranger le matériel.
tout le matériel. Et ça va prendre du temps. Et puis ensuite, on reprendra la route pour apprécier une dernière fois les sommets, à condition que le temps soit dégagé. Je ne sais pas encore quelle route on va prendre. Est-ce qu'on va repasser par les monts Fromage ? Ça me plairait bien. Ou est-ce qu'on va garder la route bitume ? Parce qu'il y a quand même énormément de boue. Donc je ne sais pas ce qu'on va décider. On verra. Ça y est, c'est le départ. On reprend le chemin du retour. Donc on va commencer par grimper. On va se diriger vers l'oratoire d'Orgeval. Et puis là, on décidera quel itinéraire on prend pour le retour. Ça pouvait pas être des chèvres domestiques. Coast in the morning to find a place. Bon voilà, c'est la fin de cette belle balade. Un beau week-end. Contraignant en termes de météo, mais un beau week-end. Comptez sur moi, je mettrai les liens et les noms des chaînes YouTube de Yann. Yann, vous connaissez. Eve, vous connaissez. Je mettrai les liens direct dans la description sous cette vidéo. Alors Yann, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end ? Et ben encore un super moment passé ben avec Nico, c'est pas le premier. Et puis c'était surtout le plaisir de rencontrer Eve. Voilà, je la suivais depuis quelques temps sur sa chaîne. On avait un peu échangé par Messenger et autres messageries. Et voilà, on a passé encore un bon moment de partage, d'échange. On a papoté, on a fait que ça en fait. On a parlé. Voilà. Très bavard, non, super. Hier la pluie, ouais, bon bah voilà, c'est le jeu, hein, c'est l'automne. Et puis aujourd'hui, météo un peu plus sympa, on a pu un peu plus profiter du beau temps, donc encore que du plaisir quoi. Eve, ton ressenti sur ce week-end ? Eh ben très chouette aussi, j'ai beaucoup aimé vous rencontrer tous les deux et passer ce moment en forêt avec vous. C'était bien, moi la pluie m'a permis de tester mon matériel, de voir qu'il marche pas vraiment. Donc c'est pratique, je saurai pour la prochaine fois. Mais sinon, ouais, c'est chouette. Et puis de rencontrer d'autres gens qui font de la vidéo, c'est très intéressant. Voilà, merci. Bah, c'est un plaisir. Merci à toi. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à très bientôt. Salut.